Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la paix vous soit donnée ce matin. C'est un plaisir de vous rejoindre au bord de la table afin de vous inviter à prendre avec moi une tasse café chaud spirituel, la prière matinale avec votre serviteur et ami, Pasteur Lazare Robinson. Je chanterai gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai comme vous le savez fort bien, chaque matin avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans Romains 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin, affrontez votre stress dans la joie du Seigneur. Mes chers amis dans le Seigneur, il est tellement plus simple de croire en Dieu que de ne pas lui faire confiance. Lorsque vous doutez de Dieu, de sa parole et de ses promesses, vous êtes à la merci de vos propres ressources et raisonnements pour les tâches à accomplir. Résultat, vous devenez très stressé. Le stress est un ensemble de réactions physiques et psychologiques de l'organisme face à une situation particulière que l'on dit stressante. Et ce fléau se manifeste en deux dimensions. Le premier est aigu, le deuxième est chronique. Le premier est celui dont nous ressentons les effets immédiats quand notre corps se met en situation de combat pour contrer une menace. Et le deuxième nous met dans une situation chaotique. Notre vie est invivable. Laissez-moi vous faire comprendre, dans la vie, tout le monde fait face avec ce fléau que l'on appelle le stress et qui souvent qu'on fait nous perdre le goût de la vie et qu'on fait nous même penser suicide et tête non. Quels sont les symptômes du stress? Eh bien, ils sont au nombre de 7. Premièrement, la personne peut ressentir des fatigues constantes. Mon enfant fatigué constamment sans que il pas travaille, il pas fait rien et puis il sentit que corps il pas capable permettre que il fait rien. Deuxièmement, il produit des douleurs et de maladies. Mon carité comme ça et puis corps a fait mal, il sentit dans lui-même il y a des douleurs mais il pas connaît qui bol malade et ça Kevin fait que mon ça avec le temps, il est capable faire toutes sortes de maladies et qui capable finir avec lui au petit feu. Troisièmement, ces troubles du sommeil. Le fait que mon nan, li tombe dans une situation à cause de questions stress là, mon nan pas qu'à dormir, li couche son cabane, li vire à gauche, li vire à droite, dormi pas qu'à prendre, li gon bagay kap dominel, on bagay qui préoccupe l'esprit li, et qui fait des effets sous lui et qui fait que mon sa, li vine vivre sans griller, insomnie, li pas capable de dormir. Et quatrièmement, mon est capable de faire face avec des troubles de l'alimentation. Cela veut dire, mon est arrivé dans une situation que mon ça, lui-même manger, il pas intéressé pour le manger. Tout le monde a mangé, tout le monde a appétit, il pas qu'à manger. Et même si tu as acheté vitamine Bali, qui t'a peut-être fait le manger en pile, ou qu'a saisi pour le monde, il arrive devant une assiette manger, il pas qu'à manger. Ou t'es qu'à prendre des barres qui goût qui bon, qui a une bonne odeur, ou mettre devant. Oui, c'est vrai que tu as senti, tu as voulu. Mais ça qui en donne, pas permettre que le prenne cuillère pour le manger, pas permettre que le mette goût.
troubles à la bouche pour kabwe. Donc souvent mon sal konge des troubles de l'alimentation, li pa ka manger. Toi cinquièmement, mon sal konge des palpitations cardiaques. Mon nèg doit arrêter et puis que la bat fort au point que li commence à sentir des douleurs intérieures et mon sa mon ka même penser à ce qu'il paraît, li fait que mon oui konge des monde. Stress qu'on fait mon nan vin fait que en pile monde fait stress et stress qu'on bayo plusieurs types de maladies et parmi lesquelles yo kon tombe nan problème cardiaque côté moun nan li vin fait que sixièmement des sentiments permettant de tension moun nan capable d'une certaine manière rete comme ça et puis moun nan pas déjà fait tension li fait tension moun nan vin fait tension li ka peut-être hypertendu ou bien ka hypotendu alors les moun nan hypotendu c'est là il fait tension bas là il hypertendu c'est là il fait tension haut et puis au cas moun nan le fait que li stressé stress la vin rive dans la ville on bagay qui incontrôlable li tellement fait des effets sur lui et moun ça li vin gen tension moun nan ka fait tension pied haut les tensions moutel tête li ka fait le mal j'ai le capable fait le mal moun nan ka gen des migraines moun nan capable gen des douleurs moun nan ka même d'une certaine manière couché c'est l'hôpital yo ka courir avec lui. Et septièmement, mon n'est capable de vivre ça que n'est irritabilité. C'est une situation au monde qui nerveux ou bien qui nerveuse, y a un monde qui pas qu'à supporter monde, même un mouche qui a passé bon côté, lui prêt pour le faire colère. Un yin pas capable d'une certaine manière calmer, parce que en dedans, les gagnés, c'est-à-dire, y a une source de dérangement et qui fait que le senti que lui pas bien, lui irrité et lui pas prêt pour le calmer. Eh bien, ces gens de personnes, très souvent, y a qu'on chita dans le coin avec main, ne mâchoire, y a réfléchi, et puis, monde ça y a qu'on envie crier, yo qu'on ait envie crier et qu'on ait des fois, moun sa yo crier, le stress fait moun nan crier sans arrêt. Et lorsque on monte tombe dans une situation pareille, eh bien moun sa la vie li capable réduit. Yo dit lorsque on monte fait au moins un mois, l'a géré yon vie de stress quotidien, eh bien il est normal à ce que moun sa durabilité de vie li réduit. Donc moun sa s'il fait au moins gen un an saute sous ville. Donc gen pile fois dans la vie ou gen moun ki vieillir trop vite, c'est stress qui fait moun nan vieillir trop vite. Moun n'a pas gen l'âge mais ou envisager qu'être vieillir. Moun n'a pas gen l'âge ou moun n'a gen ta blanchi, c'est ça le stress fait. En pile fois, gen des moun ou est qui malade et peut-être plus bien gen moun qui capable dire moun ça son problème li gagne ou bien c'est fétiche ou bien c'est démon sous lit ou bien son coup de l'aile prend coup de poudre li prend. Pourtant moun ça son moun qui tellement rien réfléchi, tellement rien calculé, n'a calculé réfléchi problème n'a vienne trois pour lui, li vienne stressé et puis stress ça en dedans, li saute dans stade aigu, li vienne tomber dans stade qui chronique et bien moun ça li vienne non situation qui vraiment dégénéré côté que quel pas j'aime ka content côté que moun sa pas j'aime ka gen la joie côté que rien vinn pas intéresser encore côté que vie moun sa vinn fade vie moun sa vinn sans sens et moun sa la descend la réduit au petit feu. Gardez pour eux majorité moun qui gen des énormes responsabilités yo souvent m'en stressé et ou toujours tant de moun sa yo fait suite yo fait tension par exemple en pile leader soit pasteur soit moun qui directeur l'école soit moun qui sont patron ou entreprise ou bien moun qui c'est un investisseur cap gérer une grande boîte souvent moun sa ou fait stress et souvent ou moun sa ou fait sucre yo fait tension ou t'as dit mais j'ai de moun sa pas supposé faire maladie ça yo parce que c'est des moun qui n'en soin le stress soin li gon l'autre façon pour prendre c'est pas ni régime non seulement c'est pas ni mais gon l'autre procédé pour moun ka gérer parce que lorsque on moun chita dans l'esprit ou gine bagay cap dominé ou gine bagay qui possédé ou gine bagay qui trop pour ou pas capable gérer yo ou virer dans tête ou virer dans tête ou gauche li nan tête ou à droite li nan tête ou vini dans une situation même réfléchi ou pas qu'à réfléchir bien l'esprit ou traumatisé nan penser ou vini rive ou c'est un monde ou pas connait qui ça pour faire pour gérer propre tête pas donc un monde comme ça li vini tomber dans une situation dans mode de vie qui invivable et monde ça konn chita avec main dans mâchoire il a réfléchi et de l'eau a coulé dans yeux yo sans arrêt yo konn tellement crier yo rive un côté yo pas qu'à joindre de l'eau pour couler dans yeux yo encore. Laissez-moi vous dire ce matin, le pleur du stress est vraiment terrible. Lorsque un monde a crié, l'a versé des larmes à cause de stressé. Et l'on pose une question, il n'est pas même qu'à expliquer qui ça fait l'a crié, mais il n'est pas bien. Dans lui-même, il n'est pas senti correct. Il sentit la vie, il n'est pas
gen sens. Ou ka bay moun sa blague ou elle pas même carré. Ou ka di on bagay ki plaisant ou pense le pral éclater de rire, li pas capable. Pour qui ça? Parce que moun sa gon dépôt en dan ki metel nan situation, li pas capable faire l'effacement de lui-même nan situation an pour ta quitter situation passée, mais li tellement campé, l'a géré problème nan, nan l'esprit, nan maili, nan pensel, eh bien moun sa li vin tombe nan situation stress, vin campé devant comme étant un grand adversaire et vie moun sa li pralé de mal en pire et durabilité de vie moun sa li vin mince moun sa l'a mouri très bonheur. Gade pour bien de nos jours, nan siècle n'ap vive la, moun mouri pi jeune. Gade pour bien de nos jours, nan siècle n'ap vive la, gen en pile grand moun, grand papa, grand mec qui la kap enterrer petit yo. Parce que génération ça, li permet que nous menons vie stressante. Vie stressante ça, est-ce que c'est ou chachel? Non. Par exemple, autant de responsabilités, bill pour payer, ou gagner problème, ou gagner ça pour gérer, ou gagner ça pour gérer, ou gagner dette, ou gagner ceci, ou gagner tel besoin, ou gagner tel exige. Ou gen moun ki pa comprend non, ou gen problème, ou gen moun ki raye ou gen moun ki pa renmè ou gen sa yo fè ou gen so endurer, ou gen so prend, ou gen so wè, ou gen so attendre, ou charge ak bagay ki capable fè ou stressé à ce qu'il paraît, la terre vin invivable et le stress li plus en vogue que la paix à ce qu'il paraît, la terre vin invivable, le stress li plus ka je dirais imposel que la paix ka imposel, yo créé en pile médicament à ce qu'il paraît autant de fois y a pris médicaments mais ça pas empêcher que monde plus stressé yo créer des médicaments côté yo bay monde des pilules yo bay monde des sirop yo bay monde également des médicaments qui ca aider moun nan pour gérer stress li l'homme stressé pirade yo faire comprendre lorsque moun nan li prend le plaisir donc le plaisir ca aider pour défouler le stress li l'homme stressé pirade yo dit lorsque moun nan gen tout ça que gen besoin donc en réalité li pas gen ken souci li pas gen raison pour le stresser l'homme stressé pirade. Ce matin, ou même quand t'entendez mes frères et sœurs en Christ, est-ce qu'on a fait face avec fléau ça qui c'est le stress? Ou senti dans ou même ou gien des sentiments qui empêchent ou dormir, ou gien des sentiments qui font sentir ou pas bien, ou gien des sentiments qui fait ou sentir ou pas qu'à manger ou perdu appétit, rien pas intéressé ou gien des palpitations de cœur, ou gien des sentiments de tension à monter descendre, ou senti ou nerveuse ou irrité très facile. Est-ce qu'on a situation ça? Est-ce qu'on connaît senti ça? Est-ce qu'on a vivre ça? Oui, peut-être ou qu'a vivre ça. À ce qu'il paraît lorsque on a fait face avec lui ou font seul bagage ou al chita dans coin ou a réfléchi ou a crié ou a stressé pirade. Les très important matin pour me faire comprendre, le stress li son problème qui d'ordre psychologique et qui pral gagner un effet dans organisme qui pral gon effet sur corps. Lorsque on dit un problème psychologique, c'est lorsque yon monde dans l'esprit ou dans gens ou penser, dans gens ou réfléchi et réflexion fait yo vinn permettre ou vinn faible et puis m'ta capable di sentiment qui vinn traverser ou dans faiblesse là vinn faire des effets sur ou dans corps lorsque mon nan li kitel emporter kitel li aller dans situation qui trop pour lui et bien laissez me dire yon monde qui a marché avec bon Dieu un monde qui dans la foi cap tendre la parole de Dieu li pas ta supposé dans situation pareille et parole a dit la parole qu'il avait écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous, nous avons cru pour entrer dans le repos, selon Hébreux 4, le verset 2 et 3. Les très importants pour comprendre, pour d'accord avec moi, c'est moi-même avec vous qui croyez dans la parole de Dieu, moi-même avec vous qui avez servi bon Dieu, non pas qu'à quitter le stress emporté, non, parce que nous gagnons le repos, nous recevons grâce à la caille bon Dieu, pour nous capables de reposer lorsque l'esprit nous vient pour le bouleverser, lorsque tout ça qui en dans nous voulait dominer nous au point pour le troubler nous, pour le tourmenter nous, et puis le repos de la parole de Dieu dans la foi se manifeste dans notre vie, nous fait face avec une situation côté l'autre monde a crasé koyo et puis nous même nous poser parce que nous connaissons avec qui nous marchons. Laissez-moi vous dire aussi, celui qui entre dans ce repos
dans ce repos que Dieu donne, se repose aussi de ses œuvres. Selon Hébreux 4, le verset 10. M'tavlo d'accord avec vous matin, hein. Si moi-même avec ou cap marcher avec bon Dieu, nous besoin comprendre que vie ne pas dépend de nous. Nous besoin comprendre que succès, nous réussite, nous pas dépend de nous. En dépit de effort qu'a fait, en dépit de petits sacrifices qu'a fait, en dépit de préparation qu'il a fait, nous besoin mettre ça dans main nous, réussite nous, li pas dépend de nous. C'est pas sacrifice nous qui a fait nous arriver, mais c'est bon Dieu qui a fait nous arriver. Lorsqu'on prend le reposer l'esprit au sous son doit fait, son besoin fait, son obligé fait, on prend tellement senti ou gen trop chay sou do stress ka empare yo. Mais cependant ou ka toujou ap fè effort mon pa kite sa vin nan may pou konprann sa ap fè ou se ou pral ede ou réussi c'est pour comprendre que c'est bon Dieu k'ap fè route la avè ou et ou ap repose ou charge ki sou do yo y ap sou do encore y ap sou do l'Éternel des armées. Si c'était nous t'ap pote tout charge yo tout fado yo sou do nou nou t'ap fini. Si c'était nous t'ap pote tout douleur tout tracas tout tête chargé yo nou fini. Donc, nous sommes d'accord avec moi. Nous pas gain charge sous de nous encore. Nous devons rester dans le repos de Dieu. Donc, si toutefois, ou pas quel comme ça, eh bien, ou a toujours tourmenté. Et c'est la raison pour laquelle, qui fait que le Seigneur Jésus, lorsque nous tape vili dans la présence, lui, dans Matthieu 11, 28, lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Si ou t'as vini avec le Seigneur Jésus, ou tourmenté toujours, ça t'a expliqué ou pas qu'on rencontrait avec Jésus. Tout le monde qui rencontre réellement avec nom ça, tout le monde qui rencontre avec Sauveur là, lui recevoir repos. Pour qui ça? Parce que le prix a été payé sur la croix. Jésus-Christ est payé prière pour nous-mêmes. Donc, il y a des douleurs qui viennent dans la vie où, ma sœur, levez yeux, gardez Jésus sous croix, dit Seigneur, où t'es payé pour moi. Il y a des calamités qui viennent devant, levez yeux, gardez sous croix, dit Seigneur, où t'es payé ça pour moi. Nous t'arrêtons de comprendre, il y a des maladies qui viennent pour finir avec la vie où, levez yeux sous croix, dit Seigneur, où t'es payé pour moi. Nous t'arrêtons de comprendre, il y a des persécutions qui viennent dans la vie où, levez yeux, gardez sous croix, dit Seigneur, où t'es payé pour moi. Nous t'arrêtons d'accord, il y a des épreuves qui viennent dans la vie où, c'est pour levez yeux, gardez sous croix, dit Seigneur, où t'es payé pour moi. Il y a des tracas de tête chargées qui viennent devant, soit peut-être dans la famille, soit peut-être dans le travail, soit peut-être dans l'activité, dans quel que soit ça, on entreprendre, et ou senti ou barré à gauche, à droite, devant comme derrière, ou pas qu'on est qui ça pour faire, levez yeux, regarde ciel là, dit Seigneur, ou même qui chita en l'air dans ton nom, lorsque t'es monté sur la croix, ou t'es dit, m'sim mine genou, ma ba ou repos, m'pas pas d'accord pour l'esprit bouleversé, m'pas pas d'accord pour me tourmenter aussi, m'pas pas d'accord pour m'a vivre ainsi, côté que la vie m'vine misérable, et côté me senti en quelque sorte m'perdu, le goût de la vie me vient dégoûtable. Dis Seigneur, où lui dit un mot pour moi, m'pas accepter pour vivre dans niveau ça, m'pas accepter pour se consabraler. C'est ou même qui t'a dit depuis me vient joie non, m'a gagné repos que me joine repos. Et puis regardez comment c'est réclamer repos à matin hein. Ou même qui stressé dit moi prends repos. Ou même qui bouleversé dit moi prends repos. Ou même qui nos calamité qui toi pour dit moi prends repos. Ou même qui nos situation précaire côté la vie ou les triste dit moi prend repos, ou même cap vivre ou sentir ou pas de pièce monde, au contraire, tout le monde qui n'a entourage ou, c'est ou même cap fort du tort, du mal, dit, moi prend repos, ou même d'une certaine manière ou sentir ou a subi injustice, ou a subi abus, et la vie ou vraiment pénible avec mal que monde a fait, levez campé dit, moi prend repos, et ou même cap vivre dans calamité, à ce qu'il paraît ou penser qu'on peut sortir, et à force que ou a réfléchi, ou commencer vieillir, ou commencer aller rapide, campé, matin, dit, dans le nom de Jésus, moi prends repos. Commencez à prendre la caillou dans la famille, prendre le travail là, prendre le business là, prendre l'activité là, prendre l'église là, prendre le groupe là, prendre le ministère là, quel que soit quand on passe, ou besoin saisir repos ça dans le nom de Jésus. Seigneur, nous disons merci infiniment ce matin pour grâce, bonté et miséricorde, pour compassion envers nous-mêmes. Nous comprenons que matin, nous qu'à affronter stress non dans la joie du Seigneur. Côté que Père, ou dit, ou bah non, repos, et repos ça, faut le qu'à mettre un sentiment de joie en dedans que non, un sentiment de fierté dans la vie non. Côté que Seigneur, même si des fois, il y a des raisons pour nous t'attriste, il y a des raisons, Père, ce quoi pour la vie, nous misérable, il y a des raisons pour nous t'achiter en côté avec mes ma choix. Mais lorsque nous gardé, cher Seigneur, aux promesses qu'on fait non, et relations non, comment nous praler, et qui projet qu'on fait pour nous, Seigneur, nous pas qu'à pas lever, même pour nous chanter la gloire de ton nom, pour nous dire, Seigneur, oh oui, m'ka comprendre que m'ka souffrir pour une semaine, m'ka souffrir pour un mois.
mois, m'ka souffri pour 3 mois, m'ka souffri pour 6 mois, m'ka souffri pour 1 an, mais ça qui sûr, m'gon éternité captain de moins. Donc ça, li capable par la foi, susciter la joie dans nous, Seigneur. Oh, nous vous merci pour cette espérance. Merci pour ce privilège. Ce matin, t'en prie, by chaque bien-aimé captain de nous là, y'a un sentiment de fierté et de joie. Même si, cher Seigneur, y'a qu'a vraiment des raisons pour être triste, mais là, on songe promesse là, là, on songe à qui est-ce qu'il a marché, là, on songe qui sa captain yo, pour qu'il soit content, même s'il a souffri, mais là, on songe un jour, souffrance là va finir, pour qu'il soit content, même s'il y a des douleurs, là, on songe qu'il y a pour une vie, et un autre mode de vie captain yo, et mode de vie ça, il a oublié si gon mot douleur qui existait, Seigneur, il va rentrer dans la joie, lorsque il a réfléchi, il a pensé, à cause de tête chargée, tracassa, qui a peut-être dans famille yo, dans activité yo, dans sa qu'il a entreprendre, et lorsque que yo levé yeux yo pour yo garder immensité de grâce qu'on fait yo et promesse qu'on fait yo, yo va lever main pour dire Seigneur, ban force pour me tendre, ban force pour me tendre, parce que la joie de demain est beaucoup plus excellente que la tristesse d'aujourd'hui. La joie de demain est beaucoup plus agréable que la tristesse d'aujourd'hui. La joie de demain est beaucoup plus splendide que la tristesse d'aujourd'hui. Seigneur, à partir de cette matinée, séchez de l'eau dans yeux monde, des monde qui stressent, c'est cap crier, stress fait au crier, stress fait au chagrin, yo tellement réfléchi, yo réfléchi trop pas, problème v'lait poter ou aller, l'esprit yo tourmenté. Seigneur, ce matin, que repos qu'a rentré, que grâce t'a qu'a manifesté dans la vie yo, et yo va exalter ton grand nom, yo va exalter ton saint nom. Père, nous disons merci pour cette matinée bénie, merci pour cette matinée de grâce, merci pour cette matinée de bénédiction qui fait nous comprendre nos besoins espérés. Tout ça n'a fait face yo là, yo gen pour yo fini à jamais, et laisse ça mais nous va en l'air pour nous glorifier le nom de l'Éternel, mais nous va en l'air pour nous magnifier le nom de Dieu, celui qui nous a créé et qui a façonné notre existence. Merci pour cette nuit passée et merci aussi pour cette matinée, merci d'avance pour cette journée et merci, un grand merci pour la joie, pour le repos et pour la vie éternelle aussi qu'on promet nous. Infiniment Père, nous t'en prions ce matin, non pas en vertu de nos mérites, nous réclamons toutes ces œuvres, mais c'est dans le nom de Jésus, à qui soit la gloire, la puissance, l'honneur, la majesté, dès à présent et pour toujours. C'était avec vous, votre serviteur et ami, pasteur Lazare Robinson, du côté de New Jersey. Si vous avez pris en contact avec nous, ça peut être pour des demandes de conseils ou prières, ou qu'à contacter nous dans 862-212-95-43 ou bien écris-nous sur WhatsApp aussi sur 862-212-95-43. Que Dieu vous bénisse et soyez en joie. Affrontez votre stress par la foi dans la joie du Seigneur. Et bonne journée. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai.